Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 3 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, petite philosophie du matin, embellissement. Il suffit parfois d'un mot pour embellir la journée d'une personne, de notre entourage. Aujourd'hui, j'ai pigez, élargissez votre spectre. Gardez votre esprit ouvert. Gardez votre esprit attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. On vous invite à sortir des sentiers battus et expérimentez ce qui vous est encore inconnu. Parce que n'oubliez pas que nous sommes revenus ici sur Terre pour expérimenter. Votre âme souhaite que vous soyez curieux, curieuse, afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez ainsi votre petit cœur d'enfant. Celui-ci a une soif, n'est-ce pas? A une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité, vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore, de suivre la voie de votre curiosité. Aujourd'hui, cette carte vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons, n'est-ce pas, de vivre, tout simplement votre vie. Alors, moi aujourd'hui, j'ai pigé cette carte, c'est que j'avais à vous dire qu'il y a une curiosité de votre vie qui est là et qui est en vous. Il y a une curiosité de la vie en vous. Celle-ci, elle doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose. Vous êtes peut-être dans un moment de votre vie où vous avez besoin d'élargir des horizons, de connaître d'autres choses, parce que vous avez peut-être l'impression de stagner, que vous faites du surplace. Donc cette carte, elle vient vous dire qu'il faut élargir votre spectre, élargir ce que vous avez envie. Rituel de la curiosité, il y a un sujet qui vous intéresse depuis longtemps. Peut-être pour certains d'entre vous, et vous n'osez pas, aller de l'avant. Pourquoi pas prendre rendez-vous avec vous-même et aller jeter un coup d'œil sur l'objet de votre curiosité. Lancez-vous sans attente, notez ce que vous ressentez après être passé à l'action. Vous êtes peut-être bloqué parce que vous n'avez pas confiance en vous, donc reprenez cette confiance en vous. Vous pouvez tout si vous le désirez. Ayez confiance.
Et pourquoi pas, intéressez-vous aux autres en leur posant des questions, en les faisant parler. Découvrez leur histoire et le trésor qui se trouve en eux. Vous pouvez ainsi mieux voir le vôtre. Et enfin, pour terminer, explorer une autre destination dans le monde lors d'un prochain voyage peut-être, ou essayer un nouveau restaurant, tout simplement pour en faire l'expérience. Vous verrez à quel point la curiosité permet d'ouvrir vos œillères pour vous permettre de voir quelque chose que vous n'aviez encore jamais exploré. Vous savez, c'est en étant curieux qu'on avance et qu'on apprend. Si vous restez figé et vous n'êtes pas curieux, vous n'avez pas soif d'apprendre, faites du sur place. Et la vie, c'est apprendre, faire des expériences, être curieux, sortir de sa zone de confort, expérimenter des choses. C'est ça la vie, n'est-ce pas? Nous sommes revenus sur Terre pour améliorer nos qualités et nos vertus. Nous avons une mission ici, tous, sur Terre. Quel beau message! Élargissez votre spectre. Je termine avec la pensée positive pour aujourd'hui, et c'est: la vie est magique et remarquable. Quand je vois la vie comme étant magique et remarquable, je me lie d'amitié avec Dame Chance. Sur cette belle pensée positive, je vous souhaite une lumineuse journée, et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.